Simon Fallett, 26 Jahre jung, dreifacher Familienvater, seit August 2017 Adlerträger. Gegen Köln erzielte er seinen ersten Bundesliga-Treffer. An einem sonnigen Trainingstag begleiten wir den Franzosen, um ihn näher kennenzulernen. Wir können gehen in die Stadt. Das ist ein schöner Tag. Und danach habe ich Training. In Frankfurt fühlt sich unsere Nummer 3 schon sehr wohl. Je sais que mon agent discutait avec plusieurs clubs. J'avais une priorité, c'était de partir à l'étranger. C'était vraiment une réelle envie de ma part et celle de ma famille. Donc voilà, on a trouvé que Francfort était un bon club. On a bien étudié tout ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et puis surtout, on a vu que le staff était performant ainsi que le recrutement. Donc on n'a pas hésité à venir ici directement. Ouais, ça se passe plutôt bien. Voilà, avec l'équipe, je parle de l'équipe, on fait partie des équipes qui défendent le mieux de ce championnat. Donc bien sûr que ça se passe très bien. Après, j'ai eu ce petit coup d'arrêt avec ce carton rouge qui m'a pénalisé 2 matchs. Mais ça m'a permis de me reposer, de travailler encore un peu plus pour être prêt pour les matchs suivants. Et c'est vrai qu'on fait un bon début de saison et on espère que dans ce presque dernier sprint final, ça va bien se passer. Comme on parle la même langue, Gelson Fernandez et Sébastien Haller. Mais c'est vrai qu'avec Timmy Chandler, Marco Rousse, Wolfie, on va dire un petit peu tout le monde. Voilà, que ce soit Branet, vraiment beaucoup d'affinités, Johnny De Guzman. On se voit de temps en temps hors du travail. Et puis on passe des bons moments, c'est très important. Omar Mascarel, Marco Fabian, à peu près tout le monde. Hein. C'est vrai que le fait qu'on soit tous réunis, ça nous soude. Et ça nous permet de créer plus d'affinités. Wie tickt Simo Fallett neben dem Platz? Alors, je dirais que je suis quelqu'un de jovial. Je dirais pas extraverti parce que j'aime pas trop attirer l'attention. Mais c'est vrai que je rigole beaucoup au vestiaire avec mes coéquipiers. Avoir le sourire à l'entraînement, ça me permet de toujours progresser. Et puis de prendre le travail avec la rigolade parce qu'on a quand même beaucoup de chance de faire du football. Chez moi, on dit tant que la santé est là, le sourire doit suivre. Alors oui, c'est vrai que je suis né au Mans, mais je ne connais pas du tout cette ville parce qu'on l'a quittée quand j'avais 3 ans. Je suis né au Mans parce que mon père joue au Mans, justement. Et puis après, on a pris la direction de Tours, une ville où j'ai passé la plupart de ma vie étant jeune. Voilà, j'ai quitté cette ville à 13 ans et demi, 14 ans pour rejoindre le centre de formation de Lorient. En fait, depuis le début, j'ai toujours voulu faire comme mon père. Après, bien sûr, mon père me disait qu'il fallait travailler à l'école parce que c'était pas tout le monde qui pouvait signer professionnel. Et puis, grâce à Dieu, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Donc je suis très content. Simons Vater stammt aus Französisch-Guyana, weshalb der Eintrachtler die Doppelstaatsbürgerschaft hat. Die Rücknummer 3 hat sich Simon von seinem Vorbild Albert Fallett abgeschaut. Bien sûr, parce que bon, comme tous les enfants, on veut ressembler à notre papa, la plupart du temps, ce qui concerne les garçons. Et puis, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il ne m'a jamais forcé. Voilà, il m'a fait faire d'autres sports avant le football, mais j'ai toujours préféré aller au foot. Je ne me rappelle pas trop, mais en tout cas, je l'ai vu entraîner quand il était entraîneur professionnel. Parce qu'il m'a eu sur la fin de sa carrière, on a 30 ans de différence. Non, bien sûr, mon grand-père. Il manque juste mon père, mais mes amis, mes cousins, à peu près tout le monde est venu voir les matchs. Il manque juste la visite de mon père, qui j'espère ne serait tardée. Auch im Klassenzimmer macht Simon Fallett eine gute Figur. Das rasche Lernen der deutschen Sprache ist ihm sehr wichtig. Das ist nicht einfach, aber das ist gut für mich. Non, plus sérieusement, c'est pas facile, mais on s'accroche. Voilà. Ça se rapproche pas trop de ma langue natale, mais j'apprends. J'apprends chaque semaine et puis j'espère que bientôt ça va porter ses fruits. J'ai comme objectif de tout comprendre jusqu'avant la fin de l'année. C'est vrai que quand on dit bonjour, j'aime bien dire good, mais voilà, il y a plein d'expressions qui me font un petit peu rire parce que c'est pas commun. Pas beaucoup de gens parlent l'allemand en France,
mais il y a des expressions marrantes et avec Stéphane, on essaie de les apprendre rapidement. Wir gehen jetzt zum Eisernen. Eisernen. Wir gehen jetzt zum Eisernen Steak. Eisernen Steak. Wir gehen jetzt zum Eisernen Steak. Steak. Eisernen Steak. Wir gehen jetzt zum Eisernen Steak. Raus. Rausschieben. Beim Lernen hilft ihm Eintracht-Dolmetscher Stéphane Gödde. Ben, il est souvent avec moi, donc ça me permet de mieux comprendre. Et on fait beaucoup de cours ensemble, donc il a beaucoup de rôle pour moi, mais ça je le garderai pour moi. Voilà, il m'aide beaucoup dans tout ce qui est apprendre la langue, voilà, tous les papiers, tout ça. Et c'est très important d'avoir quelqu'un comme ça au club. Ben, ce genre de vue, c'est peut-être cette cathédrale qui est en construction. Voilà, toutes ces choses qui sont atypiques. Puis comme on dit, se balader sur le Main, c'est très plaisant. Donc on va dire que globalement, c'est une nouvelle ville, mais qui garde encore ce cachet avec ses anciennes montures. Es war die 65. Minute im Heimspiel gegen Köln, als der Franzose im Eintracht-Trikot zum ersten Mal einen eigenen Treffer bejubeln konnte. Alors c'est pas le plus beau but de la Bundesliga, c'est sûr. Mais voilà, on est très content d'ouvrir le compteur. C'est un but qui compte quand même. Et c'est vrai que devant nos publics, devant nos fans, c'est un vrai plaisir, une fierté de marquer à la Commerzbank Arena. Bien sûr, parce qu'on a de très grands fans et c'est vrai que c'est très important d'avoir des bons supporters, c'est ce qui fait aussi notre réussite. On parle souvent du 12e homme et c'est vrai qu'à Francfort, ils sont très présents et ça nous aide pour prendre des points. Bah déjà, il faut souligner qu'on a beaucoup de chance d'avoir un public comme ça. Après, on est impatient de débuter le match, de commencer la rencontre, pour pouvoir entendre nos supporters chanter et nous supporter. Et c'est vrai que ça donne la chair de poule à certains moments, parce que c'est un public très très chaud. Et puis voilà, on a mal commencé à domicile au début de l'année, en enchaînant les mauvaises performances. Mais à la fin du match, ils nous ont toujours soutenus, toujours chanté, donc aujourd'hui, on leur doit bien ça. Servus. Servus. Ça fait partie aussi des expressions qui font rire, ça. Im Herzen von Europa. Im Herzen von Europa. Von Europa. Jetzt Mittagessen und Training. Good luck.